Buenas tardes. Gracias por estar presente, de cuerpo presente durante esta conferencia y también en streaming. Al final de la misma se abrirá un debate. Las personas que quieran intervenir presencial, pues lo podrán hacer. Las personas que estén asistiendo a esta conferencia por streaming a través del chat podrán presentar preguntas que la doctora Charfi hará. Para mí es un verdadero placer presentar a la doctora Fawzia Charfi. La conocí en Túnez en el curso del desarrollo de un programa de hermanamiento entre España y Túnez para cambiar el sistema tunecino de ciencia, tecnología e innovación. Y fue un descubrimiento. Además, me leí sus libros y la verdad, a partir de ese momento, tuve el máximo interés en que viniera aquí a Barcelona a hacer esta presentación. La doctora Charfi es doctora de Estado en Ciencias Físicas. Ha sido profesora de Física de la Universidad de Túnez. Además de Física, una científica comprometida y conocida, ella es miembro del Comité de Creación del Comité Científico de la Cité de Sciences de Túnez. Ha sido miembro fundador de la Sociedad Tunecina de Física. Ha recibido condecoraciones francesas, la Legión de Honor, las Palmas de Académicas, comandante de las Palmas Académicas, medalla de la Universidad Libre de Bruselas. Es una persona reconocida en el campo científico, pero también en el campo del activismo social. Ella se ha preocupado durante estos años de estudiar y de profundizar en la relación entre la ciencia y el Islam, que será el tema de la conferencia que nos dará hoy. Su especialidad en el campo de la física eran las propiedades electrónicas y ópticas de semiconductores y nanoestructuras. Tenemos aquí algunos especialistas, pero no vamos a hablar de eso hoy. Tocará otro día. Para acabar de su presentación, tengo que decir que su compromiso social la llevó a ser represaliada en la universidad. O sea, tuvo un momento que perdió su cátedra por motivos políticos en Túnez, pero como la historia a veces juega malas pasadas a los represores, ella acabó siendo secretario de Estado de Ciencia y Universidades en Túnez. O sea, es una persona que, por méritos propios, tiene un lugar notable en lo que es la sociedad científica y civil tunecina y europea. Aparte de eso, Fawzia Charfi fue la esposa y compañera, muy amada, dicho en su propia biografía, de Mohamed Charfi. Mohamed Charfi, también una personalidad, un jurista, una personalidad social y política tunecina muy importante. Tanto él como Fawzia, su militancia, su lucha por los derechos humanos y por la modernización de la sociedad tunecina le condujo a la cárcel, cosa que en España conocemos muy bien, eso de que luchar contra un sistema autoritario pues puede tener unas consecuencias penosas a nivel personal. Pero Mohamed Charfi también acabó siendo ministro de Educación y la verdad es que fue el autor del cambio del sistema tunecino de educación, muy dominado hasta la época por las madrazas y lo que era la tradición islámica. Y en estos momentos la verdad es que es un sistema donde, entre otras cosas, se puede decir que el acceso a la educación superior en Túnez de mujeres y de hombres es algo garantizado. Es un país sin analfabetismo y con igualdad de oportunidades, más o menos, para entre hombres y mujeres. Y sin más, le cedo la palabra a Fawzia. Merci. Merci beaucoup. Merci à mon ami, le professeur Rafael Rodriguez Clemente. Merci aussi au professeur Luis Calvo, délégué du Conseil supérieur de la recherche scientifique espagnol. Je suis ravie d'être ici, en Espagne, un pays proche de la Tunisie, et à Barcelone, une ville qui me rappelle ma ville natale un peu, par son esprit, Sfax. Alors, je vais vous parler aujourd'hui non pas de la physique des semi-conducteurs, mais des relations
que les pays d'islam ont entretenu avec la science, pays d'islam où la science a été très présente pendant des siècles. Mais ce sur quoi je vais concentrer mon propos aujourd'hui, après un bref retour à l'histoire des sciences, c'est beaucoup plus les relations entretenues entre l'islam et la science, des relations un peu conflictuelles aujourd'hui à travers donc des visions, des attitudes par rapport à la science que je vais développer. C'est ce que j'appelle la science compatible, c'est-à-dire le concordisme coranique. J'expliquerai ce qu'il en est, d'où ça vient et comment il se développe aujourd'hui et pourquoi c'est important d'en parler. La deuxième attitude par rapport à la science que l'on constate en contexte islamique, c'est la science dévoyée, en particulier par rapport à la théorie de l'évolution biologique. Et enfin, un troisième aspect, j'expliquerai pourquoi je parle de la science utile plutôt que la science tout court, qui pourtant a été présente pendant longtemps en pays d'islam. C'est pour cette raison-là que je vais commencer par un tout petit peu d'histoire des sciences et rappeler la science arabe et son apport à ce qu'on appelle l'héritage scientifique, l'héritage universel, notre patrimoine scientifique. Et en deuxième partie, je parlerai de cette période malheureuse pour les pays d'islam. C'est le basculement, le moment où on devient infidèle à l'attitude par rapport à la science, à cette période glorieuse de la science en pays d'islam. Alors, à partir du 9e siècle, en fait, la science, à l'échelle de toute notre région, avait l'arabe pour langue, et la langue arabe a pris à son tour une dimension universelle. C'est plus la langue d'un peuple, c'est celle de plusieurs, ce n'est plus la langue d'une culture, mais celle de tous les savoirs. C'est ce qu'écrit Rushdie Rashid, qui est un historien des sciences et qui a fait un magnifique travail sur l'histoire des sciences arabes, qui a regroupé des contributions de différents historiens des sciences à l'échelle internationale. Et en fait, c'est important de relever ce côté universel de la science arabe pendant des siècles, parce que c'est un aspect que l'Europe, peut-être, n'a pas vraiment reconnu. Les travaux de Rushdie Rashid sont relativement récents, et cette manière de rappeler que la science arabe n'a pas été simplement la manière dont les textes anciens de la tradition grecque ou indienne sont parvenus en Europe, donc au cours de ce 8e, 9e siècle. La science arabe n'a pas été qu'un transmetteur des traditions anciennes, mais c'est aussi une science qui a innové et qui a introduit, entre autres, la méthode expérimentale. Alors, je vais donner comme ça quelques éclairages sur quelques savants des pays d'islam. Et je commencerai par Ibn Haytham, qu'on appelait en latin Al-Hazen. Ibn Haytham, c'est le père de la science de l'optique, donc c'est un savant du 10e, de l'an 1000. Et ce qu'il a introduit de fondamental, c'est que l'expérience devient un critère. Et il a mis en place le dispositif de la chambre noire pour analyser la lumière. Et jusqu'à Ibn Haytham, on pensait que la lumière sortait de l'œil. Et Ibn Haytham dégage la lumière de la vision, donc il y a la théorie de l'optique et la théorie de la vision. Et en fait, l'objet d'étude est identifié comme tel, c'est-à-dire on s'intéresse aux rayons lumineux qui se propagent indépendamment de l'œil. Et Ibn Haytham a étudié leur propagation, il a étudié la réflexion des rayons lumineux et la réfraction, en allant quand même assez loin. Et les lois de la réflexion d'Ibn Haytham sont rarement citées, par exemple, dans les traités d'optique, alors que il a déjà découvert toutes les lois de la réfraction, et commencé
à étudier la réfraction. Mais Bleithem ne s'est pas seulement intéressé à l'optique, il s'est aussi intéressé à l'astronomie et il a écrit un livre important intitulé « Doutes sur Ptolémée ». Bon, on était encore à un moment où on considérait la Terre comme au centre du monde, mais Bleithem s'est interrogé sur les travaux de Ptolémée et il a proposé une attitude, une analyse critique systématique sur les méthodes de Ptolémée et en mettant en avant, en fait, le rapport conflictuel entre l'astronomie mathématique et l'astronomie physique. Et donc, il reprend les deux travaux de Ptolémée en dégageant les contradictions qu'il y a entre l'Almageste, où Ptolémée prend le cadre mathématique comme support, et le livre des hypothèses de Ptolémée, où Ptolémée propose un système physique concret. Bon, je n'ai pas le temps d'en parler, mais ça montre comment déjà, donc, Ptolémée était étudié avec un regard critique. Un deuxième savant dont je voudrais rapidement dire quelques mots, c'est Biruni, qui est assez peu connu parce que beaucoup de travaux de Biruni n'ont pas été traduits. Biruni, on l'appelait l'Ostède, le maître. Alors, c'est aussi un savant de l'an 1000, comme Bleithem. Bleithem était au Caire, mais Biruni était à l'Est. Et il a travaillé sur énormément de choses. Vous voyez ici, il a été botaniste, astronome, mathématicien, physicien, minéralogiste, etc. Et je relève deux points sur les travaux de Biruni. La première chose, c'est que Biruni s'est interrogé sur les mouvements de la Terre. Donc, on est à l'an 1000. Et s'interroger sur les mouvements de la Terre, mais il a aussi mesuré le rayon de la Terre de manière très élégante. Et pour ceux qui sont intéressés par la géométrie, il mesure le rayon de la Terre avec la mesure de trois angles et une distance. Et c'est très astucieux. Et il a un résultat qui est vraiment extrêmement précis sur le rayon de la Terre. Et il s'interroge sur les mouvements de la Terre possibles. Et pour lui, en fait, il a aussi ce raisonnement qui est déjà formidable pour cette époque-là, c'est la question de référentiel. Et il dit, bien sûr, on n'en était pas encore au référentiel, mais vous voyez, il dit, la rotation de la Terre ne compromet en rien la signification de l'astronomie. C'est-à-dire qu'en tant que savant, il considérait qu'on pouvait considérer que la Terre était en mouvement. Et il continue, car tous les phénomènes de caractère astronomique peuvent parfaitement tout aussi bien s'expliquer en vertu de cette théorie ou de toute autre. Donc vous voyez, pour lui, il commence déjà à imaginer ce qu'on appelle les systèmes de référence, mais il ne parle pas de système de référence. La deuxième étude sur laquelle Biruni s'intéresse et qui est extrêmement évolué, c'est le travail que Biruni a fait sur l'Inde, donc en 1030. Il étudie les idées de l'Inde, il s'intéresse à la religion en Inde, il s'intéresse à leur civilisation, et il dit donc qu'il étudie ces idées de l'Inde, qu'elles soient conformes à la raison ou rejetées par celle-ci. Et là, juste un mot pour conclure sur Biruni, parce que je voudrais passer à autre chose. C'était un savant qui était très ouvert. Il était pour une approche comparative de l'étude des sociétés, une présentation impartiale et loin des discours apologétiques pour dire, voilà, les pays d'islam sont les meilleurs, etc. Mais aussi loin du propos polémique disant, pour aimer les peuples, apprenez donc leur langue et respecter leurs mœurs, leurs coutumes, leurs pensées et leurs religions. On aimerait bien que tous nos enfants se penchent un peu sur les travaux de Biruni. Alors, pour conclure sur cette histoire des sciences, il y a eu, vers le XIIIe siècle, une astronomie qui est assez peu connue, qui s'est développée à l'observatoire de Marara, dans l'Inde du Nord, et il y a eu
un savant, Nasreddin Tusi, qui a proposé une nouvelle approche du ciel, mathématique. C'est une construction mathématique pour rendre compte du fait que les planètes se déplacent par rapport à la Terre, mais tout en restant dans ce modèle du couple Tusi, dans la vision aristotélicienne, c'est-à-dire des mouvements circulaires uniformes. Et un siècle plus tard, Ibn Shatir, à Damas, reprend ce modèle. Et alors là, ce qui est très intéressant, c'est que les historiens des sciences ont fait comme constat, c'est le rapprochement entre les travaux donc, de Nasreddin al-Tusi et Ibn Shatir et les travaux de Copernic. Donc vous avez en bas les figures de Ibn Shatir avec le petit cercle dans le grand cercle, donc où il va étudier le mouvement, et au-dessus, donc la figure de Copernic dans son fameux des révolutions des orbes célestes. Alors il y a des hypothèses comme quoi Copernic aurait eu connaissance des travaux d'Ibn Shatir, mais c'est un fait que ces travaux extraordinaires dans le domaine de l'astronomie qui ont été réalisés en pays d'Islam n'ont pas mené à la rupture par rapport au système géocentrique, et c'est Copernic donc qui se débarrasse en quelque sorte de ce verrou géocentrique et qui propose un soleil au centre du système solaire. Alors évidemment on sait comment la science a évolué par la suite. Elle est passée en Europe, Copernic, Galilée. Ça n'a pas été non plus facile au début. On connaît le procès de Galilée, Giordano Bruno, qui a été brûlé en 1600 pour avoir affirmé l'infinité des mondes. Mais que se passe-t-il du côté des pays d'Islam? Eh bien, à une certaine époque, il y a donc bien avant Copernic, il y a un basculement. Et là, j'étudie cette question-là dans mon dernier livre, L'Islam et la science. Et en 1050, donc 11e siècle, vous voyez, à un moment où vraiment la science est très productive en pays d'Islam, les Turcs seljoukides arrivent à Bagdad. Donc on est à une époque où c'est l'Empire abbasside qui règne, mais l'Empire abbasside est un peu affaibli. Ce sont les dynasties chiites, bouaïdes qui règnent à Bagdad, et donc fragile, cet empire abbasside pouvait être attaqué effectivement. Enfin, les Turcs seljoukides prennent le pouvoir, mais restent, ils ne sont que des dynasties au service de l'empire abbasside, mais ils imposent le sunnisme, si vous voulez, on en dira quelques mots tout à l'heure, le sunnisme orthodoxe. Et alors, au niveau des sciences, ce qui nous intéresse, c'est que, en fait, les bouaïdes chiites et les fatimides en Égypte avaient, autour du Xe siècle, créé un certain nombre d'institutions scientifiques qui étaient des institutions du savoir où, bien sûr, il y avait des bibliothèques, il y avait des recherches, mais il y avait aussi l'enseignement des sciences rationnelles. C'était ce qu'on appelle les Dar al-Halm, les maisons de la connaissance. Souvent, on parle de Bit al-Hakma, mais il n'y a pas eu que Bit al-Hakma de Bagdad, cette maison de la sagesse à Bagdad. Et donc, quand les Seljoukides arrivent à Bagdad en 1050, ils détruisent ces maisons de la connaissance et ils créent d'autres institutions du savoir, qui sont les madrasas, où s'enseigne essentiellement le droit islamique et les sources du droit, le fiqh et usul al-fiqh, donc tout ce qui est jurisprudence islamique. Et la science est réduite à son côté science pratique, c'est-à-dire que la médecine va se pratiquer à l'hôpital pour les malades, les patients, et l'astronomie, ça va être donné à ce qu'on appelle le muwaqqit, celui qui va définir les temps des prières et qui est affecté à la mosquée. Donc vous voyez qu'on quitte
en fait, ces grandes institutions du savoir qui disparaissent au profit donc de ces madrassas. Deuxième point important pour comprendre pourquoi la science a quitté ces pays d'islam, c'est que le sunnisme orthodoxe imposé, c'est la doctrine acharite qui revient, donc qui est adoptée, qui devient la doctrine officielle. Et pour nous, scientifiques, qu'est-ce qui est important, pour ça que je le cite, c'est le fait que dans cette doctrine acharite, il n'y a pas de lien causal entre les événements. Il y a un phénomène physique, mais la cause de ce phénomène est toujours, il n'y a pas de cause secondaire, c'est Dieu est toujours derrière l'accomplissement de tous ces phénomènes. Donc c'est l'omnipotence de Dieu qui règle l'ordre naturel. Et donc ça va beaucoup jouer sur la suite de la science en pays d'islam. Et on va voir une sorte de déviation, en fait, de compréhension de la science. Alors, la première attitude par rapport à la science que j'explique dans mes deux livres et qui plaisent beaucoup, malheureusement, aujourd'hui aux jeunes, c'est ce qu'on appelle le concordisme coranique, ce que j'appelle la science compatible, c'est-à-dire la science est compatible avec l'islam. Non seulement elle est compatible avec l'islam, mais toute la science existe dans le texte coranique. Et alors, en fait, quelle est l'origine de cette compréhension de la science, de ce concordisme? Il faut remonter au XIe siècle, donc ce sont les théologiens et leur attitude par rapport à la science, certains théologiens, pas tous, Razelli, Al-Ghazel pour les latins, qui écrit « L'immense science divine, vaste comme les océans », ou si l'on veut préciser davantage, donc les sciences proviennent de l'océan des actes divins, dont nous avons dit que c'est un océan sans rivage. Donc pour Razelli, toute la science, de toute façon, correspond à ces actes divins dont je parlais tout à l'heure. Au XVe siècle, l'Égyptien Al-Suyuti reprend le même point de vue et écrit « On peut extraire du Coran soit des inventions considérées comme modernes, soit des mystères des sciences naturelles. » Donc c'est une vision, en fait, ce sont des théologiens qui refusent l'autonomie de la science et pour qui, bien sûr, toute la science est incluse dans le texte sacré. Mais ça s'est développé, alors je passe directement au XXe siècle, oui, ça s'est développé énormément, donc c'est cette manière de considérer que toute la science existe dans le texte coranique a commencé déjà fin du XIXe, début du XXe, avec ce qu'on appelle des exégèses scientifiques, c'est-à-dire qu'on va analyser les versets coraniques à la lumière de la science. Ça n'est plus le commentaire du Coran, ça n'est plus l'analyse même de la langue du Coran, de l'interprétation des versets, mais tout est en relation, un certain nombre de versets vont être directement en relation avec la science. Et la première grande exégèse scientifique est publié en 1931, c'est l'Égyptien Tantawi Jawhari, donc qui intitule son ouvrage, son commentaire coranique avec un jeu de mots par rapport à son nom, Jawhar Qur'an, donc les joyaux du Coran. Et donc Jawhari identifie 750 versets dits scientifiques sur les 6616 versets coraniques. Et pour lui, donc, ces 750 versets ont une relation directe avec la science. Alors je précise que Tantawi n'était pas du tout un scientifique, il avait une formation à l'université de l'Azhar, un petit complément de formation scientifique, mais voilà, il a proposé
une sorte d'analyse un peu naïve, en fait, des versets qu'il supposait en relation directe avec la science. Et là, vous avez le commentaire de Michel Chodkiewicz, qui était un scientifique, un penseur français, et qui regrettait beaucoup donc, que le Coran soit comme ça détourné de sa fonction, religieuse. Mais depuis la fin des années, donc là c'est Tantawi, c'est 1931, mais depuis les années 1970, donc ce nouveau discours sur la science prolifère, et comme je disais tout à l'heure, on a donc une sorte de transformation de la science de l'exégèse, du tafsir, qui sont des explications et commentaires du Coran, en ce que je dénomme une coranisation de la science. C'est une sorte de présentation. Alors, je vais montrer ici l'une d'elles, présentation donc de cette explication scientifique de certains versets coraniques. Donc, il y a ici, c'est un des sites qui montre, qui applique ce concordisme, qui en fait, c'est un double détournement, le détournement de la religion et le détournement de la science. Et ce qui est présenté, donc c'est ici, sur ces deux pages, c'est le prédicateur et l'homme de science. Et le prédicateur, donc, va interroger l'homme de science. Et la conclusion de ces deux pages, c'est qu'en fait, l'homme de science découvre aujourd'hui ce que un homme illettré, il y a 14 siècles, disait en plein désert d'Arabie, et il prévoyait toute la science. Alors, quand on parle de la science prévue dans le texte coranique, c'est le Big Bang, c'est la conquête spatiale, c'est les trous noirs, c'est les particules élémentaires, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez toujours l'électron, l'anti-électron, tout est possible, c'est l'embryologie, etc. Donc, toute la science est inclue dans le texte coranique, et on joue beaucoup, donc, vous voyez, sur le fait que certains versets coraniques, si vous voulez, tout à l'heure, je pourrais vous lire un ou deux versets si on a le temps. Donc, ces versets qui sont supposés prévoir, par exemple, le Big Bang. Et donc, ce qui est opposé à cela, c'est de dire le prophète Mohammed était un homme illettré. Alors, le fait que le prophète ait été un homme illettré, c'est une proposition qui n'est pas admise par tous les musulmans. J'explique ça, beaucoup d'écrivains et de penseurs ont bien expliqué la question, mais c'est une thèse, voilà, qui est assez propagée, malheureusement, aujourd'hui, sur Internet, pour valider, en quelque sorte, ce concordisme coranique. Alors, quand même, on s'interroge, on se dit, ce concordisme coranique, mais n'y a-t-il que des musulmans qui acceptent cette version d'une science qui existe complètement dans le Coran? Et en fait, le point de départ pour certains, c'est le verset 6:38 qui dit « Nous n'avons rien omis dans le livre ». Donc, le Coran n'a rien omis. Oui, le Coran n'a rien omis. Mais le Coran, c'est un texte sacré, ça n'est pas un livre de physique. Et là, je mets en avant l'argument d'un savant andalou, Chatibi, au XIVe siècle, qui avait bien étudié les anciens et qui avait donc cherché à répondre à la question « Est-ce que le texte coranique parle vraiment de science ?» Eh bien, son argument, c'est que, de toute façon, le texte coranique ne parle pas de science, et le fait de dire « nous n'avons rien omis dans le livre », le texte coranique est un livre de guidance, ça n'est pas un livre de science. Et ce qu'écrit Chatibi dit
Quant à penser qu'il y aurait dans le Coran autre chose, non. D'ailleurs, il n'est pas permis d'ajouter au Coran ce que celui-ci n'exige pas. Pour le comprendre, il faut uniquement recourir aux connaissances qui faisaient nettement partie du bagage intellectuel des Arabes. C'est ainsi que l'on parvient à comprendre les règles de la loi coranique. C'est ce que donne le texte sacré. Mais voyez que finalement, ce n'est pas l'argument de Chatibi qui l'a emporté. Et malheureusement, aujourd'hui, les miracles scientifiques du Coran prolifèrent. Mais je fais une petite parenthèse là, voyez, pour vous montrer que aussi il y a des critiques à ce concordisme coranique. Il y a une femme, Aïcha Abdelrahman, dénommée Bint al-Shati, qui était professeure d'exégèse à l'université du Caire. Et là, c'est un extrait d'un article qu'elle avait écrit en 1970 pour dire « c'est insensé, cette manière d'introduire ou de détourner en fait la compréhension des versets coraniques et de les transformer en quelque sorte en commentaires scientifiques ». Et alors elle écrivait face à un certain Mosfa Mahmoud qui lui avait fait un commentaire moderne du Coran où il montrait que toute la science existait dans le Coran. Alors Mosfa Mahmoud, c'était un personnage très médiatique en Égypte, scientifique, il avait été médecin, il avait été d'abord marxiste, ensuite il est devenu islamiste. Bon, c'est un peu ces personnages comme ça, un peu spéciaux. Et donc Aïcha Abdelrahman écrit, donc 1970, les enfants de la génération actuelle ne sont pas si stupides, ignorants et simples d'esprit pour croire que nous pouvons reconnaître les avions à réaction dans le verset de la sourate Falaq et les secrets de l'atome dans le verset de la sourate Al-Zalzala. Donc, au contraire, ce sont eux qui riront de la simplicité d'esprit qu'ils peuvent lire dans un commentaire moderne de Mosfa Mahmoud qui découvre la géologie, etc. Donc vous voyez qu'à l'époque, en 1970, on n'imaginait pas que les jeunes musulmans allaient être séduits par ce discours tellement naïf. Hélas, l'histoire contredit ce commentaire tellement lucide, vous voyez. Et en fait, aujourd'hui, les miracles du Coran envahissent Internet. Là, j'ai résumé cette... Mais il suffit de cliquer les miracles scientifiques du Coran et toute la science, finalement, est déroulée. Bien sûr, ça n'est pas de la science, ce sont des bouts de science. Moi, je regrette beaucoup que nos jeunes enfants, finalement, soient séduits par ce discours-là. Alors, on peut s'interroger pourquoi ils sont séduits par ce discours. Parce que, pour eux, c'est une manière de s'approprier la science actuelle, de s'approprier cette science qui leur donne, hein, toute cette technologie séduisante, ces téléphones portables, etc. De dire, de toute façon, la science que les Occidentaux appellent science occidentale, enfin, qu'ils appellent science occidentale, de toute façon, le texte coranique avait déjà tout prévu, donc il n'y a pas réellement de science occidentale, puisque nous avions, entre guillemets, déjà tout trouvé. Hélas, c'est un discours qui tente beaucoup de jeunes. Alors, ce qui tente aussi, malheureusement, aujourd'hui, c'est une certaine vision de la science. Donc vous voyez, on avait la science compatible, mais complètement détournée. Mais malheureusement, il y a aussi une attitude qui propose une science dévoyée. Alors c'est par rapport à la théorie de l'évolution. Donc là, vous voyez, c'est le fameux ouvrage de Darwin, L'origine des espèces, et la théorie de l'évolution, donc publiée en 1859. Et malheureusement, bon, Darwin est souvent attaqué par certains mouvements. Il a été
aux États-Unis. La théorie de l'évolution était à l'épreuve en Occident. Le fameux procès de Thomas Cope en 1925. Donc l'histoire, cette histoire du refus, de la réfutation de Darwin a commencé aux États-Unis. Donc 1925. Et puis ça a évolué. Une deuxième période importante dans l'histoire de cette science dévoyée, qui est le créationnisme, 1970, toujours aux États-Unis, on définit ce qu'on appelle la science de la création. C'est-à-dire que le créationnisme, qui tend à dire Darwin s'est trompé, de toute façon, il y a un autre récit de la création, qui est le récit biblique, et donc ces mouvements qui sont pour cette science de la création développent un récit qui est le récit de la création avec des supposés arguments scientifiques. Donc il n'y a pas de création successive. Le monde a été créé en 6 jours et donc ils argumentent cela sur la question des fossiles. Et donc ils remettent en cause, il y a des scientifiques dans ces organismes, enfin des scientifiques que je mets entre guillemets, et en fait ces mouvements-là ont des moyens financiers extraordinaires. Il y a des musées de la science de la création qu'on va montrer, donc Adam et Ève, et toute l'histoire des dinosaures, etc., et où toute la science la science biologique actuelle est complètement déconstruite. Et ça a fait des petits, malheureusement, aussi, en pays d'islam. Donc, il y a eu en Turquie, il y a un site, qui est peut-être un peu moins à la mode aujourd'hui. Donc ceci, c'est le site Harun Yahya. Son créateur, c'est un certain Adnan Oktar, c'est un prédicateur turc, qui a développé donc toute une théorie créationniste, mais c'est un créationnisme turc, entre guillemets. Pourquoi turc? Donc il a été aidé par les néo-créationnistes américains, c'est ce mouvement de l'intelligent design, le dessin intelligent. Donc ce sont des néo-créationnistes dans le sens où il y a des scientifiques, etc., qui argumentent la théorie de l'évolution. Donc ils reconnaissent qu'il y a une évolution, donc dans l'intelligent design, mais il y a un projet finaliste, et la complexité que l'on peut observer aujourd'hui des êtres vivants, en fait, ne peut s'expliquer que parce qu'il y a eu un projet finaliste et qu'il y a un grand créateur. Mais tout ça est construit, donc il s'inspire, le mouvement de l'intelligent design, de la théologie naturelle de Paley, donc c'est la théorie du grand horloger. Et ils remettent en cause, en fait, l'intelligent design remet en cause l'évolution par sélection naturelle. Donc la théorie Darwin est réfutée dans le mouvement de l'intelligent design. Alors les créationnistes turcs reprennent, ont été inspirés, ils ont été aidés par par ces mouvements-là américains, et pour mettre en place leur site, qui est assez violent, donc ce fameux site turc Harun Yahya. Et aujourd'hui, peut-être on pourra en discuter un peu, on se rend compte que enseigner la théorie de l'évolution à des enfants de culture musulmane, ça peut poser problème. Alors je dis et pourtant, est-ce que dans l'histoire, finalement, de nos pays d'islam, est-ce que le créationnisme est quelque chose qui va de soi?
en réalité, c'est vraiment un phénomène nouveau, regrettable et nouveau. Parce que dans l'histoire de la science en pays d'Islam, eh bien, on peut voir qu'il y a eu une étude de l'évolution du monde vivant, enfin de l'évolution entre guillemets, parce que Darwin est le premier hein, à proposer cette théorie de la sélection naturelle, etc. Mais on a vu, donc en pays d'Islam, la vision d'un monde qui évolue du plus simple au complexe et qui introduit même une certaine relation, entre guillemets, entre le monde simiesque et l'homme. Et donc cette vision d'un monde évoluant, elle s'est développée du 9e au 14e siècle. Je vais juste donner quelques figures remarquables. El-Jahd, c'était un grand savant, c'était un rationaliste. Il faisait partie, donc c'était un des penseurs de l'école Mu'tazilite, c'est l'école rationaliste, donc au 8e, 9e siècle. Et El-Jahd a beaucoup écrit, dont un livre qui est remarquable, c'est le livre des animaux, Kitab al-Hayawan. Et dans ce livre-là, donc El-Jahd étudie les espèces. Bien sûr, au départ, il s'inspire, il a lu Aristote, le livre des animaux d'Aristote, mais lui, il observe, il va plus loin, il analyse et il remarque donc les changements apportés par l'émigration et le milieu dans la vie animale. Et El-Jahd développe la notion d'adaptation à l'environnement et la lutte pour la survie, on est au 8e, 9e siècle. Donc cette notion, en fait, un peu encore vague, parce que El-Jahd n'a pas voyagé, hein. il est resté à Bassora toute sa vie, mais c'était un homme qui était pour le doute, donc il est connu pour cela, grand rationaliste. Bon, après lui, je citerai Rouen et Safa, les frères de la pureté, 10e siècle. Alors ce qui est intéressant dans les écrits des frères de la pureté, c'est la chronologie de l'apparition des êtres vivants, les plantes, les animaux aquatiques, puis terrestres. Et dans les épîtres des frères de la pureté, il est déjà question des temps longs et d'être organisé. Donc vous voyez, il y a quand même cette notion-là bon, qui intervient, mais on ne parle pas de création, hein, on ne parle pas d'évolution biologique, on est bien loin de cela, mais déjà cette idée de temps long, d'organisation des êtres, qui est reprise au XIe siècle par Ibn Miskawe, qui est un philosophe iranien, et qui propose une théorie plus précise de l'évolution. Je le lis, la phase de l'animalité parvient à sa perfection dans le cheval, parmi les quadrupèdes et le faucon chez les oiseaux, et arrive finalement à la frontière de l'humanité chez le singe, qui est juste un degré au-dessous de l'homme dans l'échelle de l'évolution. Donc vous voyez, c'est quand même 11e siècle, voilà ce qu'on pouvait écrire, lire en terre d'islam. Et le dernier penseur que je citerai, c'est l'historien Ben Khaldoun, le maghrébin, 14e siècle, donc dans ses prolégomènes, Mukaddima, où il parle d'un ordre, une organisation, des liens entre les causes et les effets, une continuité entre les mondes créés, une transformation de certains êtres en d'autres. Et bon, je n'ai pas le temps de lire tout son texte, mais voyez, quand il parle de l'homme, il dit « Cela se trouve dans le premier niveau de l'homme qui vient après le monde simiesque. » Alors, on se dit finalement, vous voyez, si on regarde tous ces savants, pourquoi cette déviation ? Alors, c'est intéressant de vous proposer rapidement, au XIXe siècle, quand Darwin a écrit son Origine des espèces, quelle a été la réaction ? Je regarde l'heure. Bon, j'ai presque fini là.
quelle a été la réaction à Darwin en pays d'islam, donc dans ce 19e siècle, dans des pays d'islam où la science avait quitté ses terres, comme je l'ai dit tout à l'heure, depuis longtemps. Alors, je vais juste vous parler de trois réactions. D'abord, deux réactions opposées. Jemel-Din Afghani, c'est un réformiste musulman, donc il voulait, il était pour qu'on revienne à la science, qu'on redonne de l'éclat à ces terres d'islam, mais quand même, il réagit face aux écrits de Darwin et il écrit « La réfutation des matérialistes », donc c'est une épître contre Darwin. Et en fait, Afghani s'attaque à une autre figure réformiste, la même son contemporain, qui est en Inde, Ahmed Khan, qui lui adopte le point de vue inverse. Ahmed Khan admet Darwin, admet l'évolution, et pour Ahmed Khan, il ne peut pas y avoir de conflit entre l'œuvre de Dieu et la parole de Dieu, et pour lui, voilà, il n'y a pas de problème d'accepter finalement cette évolution et cette lecture, en quelque sorte, de la nature. Et Ahmed Khan était critiqué parce qu'il était un peu considéré comme une sorte de naturaliste, alors que Afghani considérait que Ahmed Khan était un peu trop occidentalisé et allait trop loin. Alors juste un mot par rapport à Afghani, donc après sa réfutation des matérialistes, quelques années plus tard, il revient sur cette vision un peu excessive de Darwin. Et il dit, mais non. Et à ce moment-là, il revient au savant dont je parlais tout à l'heure en disant, mais Darwin n'a pas inventé l'évolution puisque ça existait déjà en terre d'islam. Donc il y a toujours des sorties comme ça, toujours possibles. Alors le troisième point de vue, c'est important. Il est soutenu par un certain Hussein El-Jasser, qui est originaire du Liban, contemporain, donc fin du 19e, de Afghani et Ahmed Khan. Alors, Jasser, c'est important parce que, vous voyez, c'est cette position ambiguë par rapport à la science qu'on trouve un peu aujourd'hui. On accepte l'évolution, oui, mais on l'accepte sur le plan microscopique, mais pas macroscopique aujourd'hui. Hein. Alors, Jasser, lui, il ne refuse pas les processus évolutionnistes, mais à condition d'admettre le principe que les phénomènes naturels sont explicables par le pouvoir de Dieu, le grand ordonnateur, ce que je disais tout à l'heure. Ça, c'est très présent dans l'attitude d'un grand nombre de scientifiques et non-scientifiques en pays d'islam. Et en fait, la position de Jasser, elle doit être connue par rapport à l'incohérence qu'on peut relever. Parce que, vous voyez, Jasser refuse la théorie de l'évolution dans sa totalité. Pour lui, c'est une théorie matérialiste. Donc, globalement, ça ne convient pas. Mais, quand même, Jasser accepte une partie de la théorie, alors là, qui est en accord avec les versets coraniques, puisque dans les versets coraniques, il est question de l'origine aquatique de la matière vivante. Et, troisième point qu'il faut souligner, c'est que Jasser, pour s'en sortir en quelque sorte, parce que, vous voyez, il prend un bout de la théorie Darwin est acceptable, mais pas sa totalité. Il reconnaît, Jasser, que, oui, certaines lois de la sélection proposées par Darwin, mais sa conclusion, c'est qu'en fait, Dieu est apte à créer des espèces de manière soudaine ou graduelle. Parce que même si quand il y a évolution, donc les espèces qui vont être créées par la suite, c'est parce que Dieu a décidé de les créer. Donc c'est une manière de s'accorder en quelque sorte. Et en fait, vous voyez cette incohérence.
on est d'accord, mais pas tout à fait, alors on va faire une sorte de jeu. C'est un jeu d'équilibre assez dangereux. C'est ce qu'on peut remarquer aujourd'hui. Vous voyez, aujourd'hui, dans nos pays, lorsqu'on se pose la question à quelle heure la prière de Asr, à quelle heure faut-il prier, ben aujourd'hui, la plupart des gens ont leur portable et sur leur portable, ils vont trouver l'heure des prières. Mais quand est-ce que le mois de Ramadan va commencer? Alors là, tout s'arrête. La mécanique céleste ne fonctionne plus. On va regarder le ciel pour voir si la lune est née. Donc vous voyez cette incohérence. On accepte la science, mais toujours à moitié. Et surtout, on n'accepte pas la cohérence de la science. Alors c'est ça le vrai danger. Alors dernier point, juste très rapidement, la dernière vision de la science qui est partagée par beaucoup, c'est la science utile. Alors cette science utile, en fait, a été introduite en deux séquences. La première, j'en ai parlé tout à l'heure, 1050, donc la période de basculement. On n'enseigne plus la science pour elle-même, mais on accepte la science utile à l'hôpital ou l'astronomie à des fins utiles. La deuxième période, le 19e siècle, c'est une période très importante dans l'histoire des pays d'islam. C'est ce qu'on appelle la Renaissance musulmane. Il y a eu de grands réformateurs qui se sont interrogés sur le déclin de la science en pays d'islam, les ténèbres dans lesquelles sont tombés ces pays d'islam. Mais, vous voyez, même si grands qu'ils aient été, ces réformateurs, ils ont choisi la science utile parce qu'il fallait rattraper le retard. Et donc, il fallait faire le choix de la science pour le développement. Donc, c'était ce choix de créer, donc, au cours du 19e siècle, des écoles d'ingénieurs, des académies militaires, etc., donc, dans des buts pratiques, mais on ne revenait pas à la science dans sa globalité et avec ses grandes interrogations. Alors, bon, vous voyez, mon tableau est bien triste, hein, parce que finalement, après tant de siècles où la science a été présente, où les savants comme Biruni ou Ibn Haytham ou d'autres ne se posaient pas la question de savoir si la science qu'ils étaient en train de créer était conforme ou pas. C'était des savants libres. C'était des savants qui ont fait avancer la science et c'est toute cette science, en fait, c'est l'Europe après qui a traduit ses travaux. Ibn Haytham, l'optique s'est développée après en Europe, Kepler, Descartes, etc. Et malheureusement, les pays d'islam n'ont pas profité finalement de leur propre héritage, même pas de la science moderne, mais même de leur propre héritage. Alors, le grand problème, et c'est ce qui me préoccupe, pourquoi je m'intéresse à ces questions-là, parce que pour moi, ce qui m'intéresse, c'est que nos jeunes puissent aujourd'hui être vraiment créateurs de science. Hein. Nous sommes scientifiques et la science avance, mais il ne faut pas que les jeunes des pays d'islam se sentent exclus de ces avancées de la science. Donc le seul moyen, c'est d'œuvrer pour l'autonomie de la science, l'épanouissement du savoir conçu comme une quête permanente, de l'intelligibilité du monde, comme l'aventure d'un esprit libre et critique. Et là, je termine par une photo, deux photos que j'aime beaucoup. C'est pour moi l'espoir. Tunis, c'était le 18 avril 2012, l'avenue Lee. Et donc, tous les jeunes étaient là sur l'avenue de Tunis avec un petit livre à la main. Et c'est ça l'espoir, c'est ça l'avenir. Je vous remercie. Oh cher, merci beaucoup pour ces voyages que tu nous as fait faire.
autour de l'histoire de la science. Hein, et la contribution méconnue en Europe des savants de cette région, mais surtout de cette culture musulmane qui l'ont contribué. Et puis, ce phénomène de défaillance, de rupture avec sa propre tradition. Il faut réfléchir, c'est à réfléchir ce que tu dis. Mais bon, maintenant, si vous avez des questions, c'est le moment. Quelqu'un? On va voir. Merci beaucoup pour votre parole. Et j'avais deux questions, rapides questions. La première, c'est une question sociale. C'est à travers les moyens des médias, nous sommes conscients qu'il y a beaucoup de problèmes les universitaires, quand les universitaires, à les finales de l'étude, et il avait beaucoup de il n'y a pas beaucoup de travail pour tout à fait pour elle. Peut-être ils ont aussi un problème de tous les. J'entends pas très. Est-ce que vous pouvez enlever le masque comme ça entendre. Excusez-moi, parce que comme ça j'entendrai mieux. Oui. C'est qu'il y a beaucoup de problèmes avec les universitaires à la finale de l'étude. Et peut-être c'est un problème de tous les autres pays autour de Tunis. Même peut-être les marchés pour les universitaires, ce n'est pas grand dans ces pays. Il y a un peu problème. Toutes les Maghreb aussi. Qu'est-ce que votre opinion là? Oui. C'est clair que l'université, c'est l'université scientifique. C'est quelque chose de récent, parce que finalement, lorsque je parle là des académies militaires, des écoles d'ingénieurs, tout ça, c'est le 19e siècle. Et que ce soit en Égypte ou au Maghreb, finalement, ce qu'on appelle la recherche scientifique, elle n'a pas été au cœur de ce retour de la science. Donc ça, déjà, c'est un handicap. Ensuite, c'est vrai que, je prends en Tunisie, mais on pourrait dire un peu aussi dans d'autres pays de la rive sud méditerranéenne. Au début du XXe siècle, donc il y a eu les pays ont été colonisés. Et vous voyez, par exemple, en Tunisie, la recherche scientifique a commencé à travers deux disciplines. L'Institut Pasteur a été créé tout à fait à la fin du 19e siècle, donc la recherche médicale, parce que c'était important, il y avait cet aspect finalement nécessaire, il fallait combattre les épidémies, il fallait développer la médecine, et donc le réseau des instituts Pasteur avait cet objectif de la recherche scientifique. Et le deuxième domaine, c'est le domaine de l'agriculture. Aussi, il y a eu en Tunisie, création, début du 20e, d'un centre de recherche agronomique. Donc, vous voyez, ça, déjà, au moment de l'indépendance, ça existait. Et je pense qu'ailleurs, c'était aussi un peu le cas. Aujourd'hui, si je fais le bilan, par exemple, dans ce petit pays qu'est la Tunisie, eh bien, les équipes de recherche de l'Institut Pasteur sont des équipes très performantes. C'est vraiment de la recherche de pointe, vous voyez, qui n'a rien à voir avec le tableau que j'ai présenté. Nous avons des hommes et des femmes de très haut niveau
Et c'est vraiment une recherche au niveau international. Alors, c'est vrai que le fait qu'il y ait, en quelque sorte, des réseaux, ça, moi, je crois beaucoup au fait que, c'est ça, la science ne peut pas, elle ne se fait pas en solitaire. On a besoin d'avancer, de discuter, on a besoin de moyens. Alors, c'est vrai que ces équipes arrivent à se développer et vraiment, il y a des recherches très pointues en biologie qui se pratiquent à l'Institut Pasteur et un peu ailleurs. En agronomie, bon, il y a aussi certaines équipes, mais peut-être pas, je ne les mettrai pas au même niveau que le niveau international de nos chercheurs en biologie. Alors, en physique, moi qui suis physicienne, ben effectivement, quand est-ce que les premiers laboratoires de physique ont commencé? Ils ont commencé en Tunisie en 1975. Moi, j'ai créé la première équipe de physique des semi-conducteurs. 1975, c'était hier. Donc, vous voyez que c'est vrai, c'est lié au fait que nous sommes un petit pays, mais pas que ça. C'est-à-dire, il y a aussi cette tradition scientifique, cette tradition de recherche. C'est pour ça que j'insiste sur le fait que même quand on n'a pas été contre la science, on n'a introduit que la science utile. Vous voyez ? Et ça, c'est le gros handicap que tous ces pays de la rive sud doivent gérer. C'est le fait que retour à la science, ça n'a pas été de pair avec le retour à la recherche scientifique. Alors, bon, aujourd'hui, moi, je crois beaucoup à la coopération. Nous pouvons effectivement, bon, moi, j'ai fait ma thèse de physique en Tunisie, mais je suis expérimentatrice, j'ai fait quelques expériences en France, j'ai été accueillie dans des laboratoires français par des collègues. Et donc, ça, pour moi, c'est le partage des travaux scientifiques, c'est fondamental. Bon, le deuxième aspect, aujourd'hui, c'est vrai que je déplore les déviations que l'on trouve sur Internet. Mais c'est vrai aussi qu'Internet permet aujourd'hui de se passer d'abonnements de revues qui sont excessivement chers, etc. Parce que, comme vous dites, c'est une réalité. Le financement de la recherche scientifique, c'est effectivement c'est fondamental. Mais, voyez, malgré tout, on se rend compte que les jeunes qui se lancent dans la recherche n'ont pas du tout ces déviations en tête. Bon. Mais le politique, peut-être, devrait accorder plus d'importance à cela. Et le dernier point, je dirais, et ça c'est ce que je dis à chaque fois que je parle de la science dans nos pays, la mobilité des chercheurs. Parce qu'un chercheur, il a besoin de sortir de son laboratoire. Il a besoin de voir ailleurs comment se montrent des expériences. Et moi, il y a un point sur lequel je ne suis pas du tout favorable, c'est lorsque des thèses se font entièrement à l'étranger et qu'il n'y a pas de production scientifique sur place. Il faut faire vivre la recherche dans nos pays, c'est fondamental. Merci, madame. Tout à fait d'accord. Louise, on peut savoir si elle a des questions mise dans le chat, tu peux demander la... Oui, alors, Manchem, s'il te plaît. Non, merci pour votre conférence. Mais finalement, je voudrais savoir si, par exemple, les élèves de lycée, quand ils étudient biologie, est-ce qu'ils étudient ou non la théorie de l'évolution? Ah, ici, pardon. Oui, oui. La masque. Si, qu'est-ce qu'ils étudient sinon? Oui. Alors, nos enfants étudient la théorie de l'évolution au lycée. Mais, vous voyez, la politique, malheureusement, défie beaucoup les choses.
Tu as parlé de mon mari quand il était ministre de l'éducation et qui a introduit, donc c'était à partir de 89-90, on a renforcé l'enseignement de l'évolution biologique au niveau des classes terminales. Et dans toutes les sections, donc, on enseignait en 90 la théorie de l'évolution de manière précise. Bon, c'est pas quand même un certain nombre, suffisamment pour qu'ils sachent exactement que signifie la sélection naturelle, tous les processus correspondant à l'évolution. En 2002, en Tunisie, Ben Ali, donc l'ancien dictateur, décide de faire plaisir au courant conservateur. Vous savez, quand les dictatures, il faut bien qu'elles s'appuient sur quelque chose. Et alors, il supprime, donc il y a eu une nouvelle loi de l'éducation pour oublier la réforme Scharfi, comme on dit, et alors dans cette nouvelle réforme, on a supprimé l'enseignement de l'évolution biologique aux sections mathématiques, c'est-à-dire aux futurs ingénieurs. On a gardé l'enseignement de la théorie de l'évolution avec moins d'heures, juste pour les sections sciences de la vie et de la terre, les sections sciences expérimentales. Donc c'est effectivement très sensible. Et juste un mot pour répondre à votre question. La difficulté, alors, parce que moi j'ai des amis qui sont professeurs dans des lycées qui enseignent la biologie, la difficulté par rapport aux enfants, même quand c'est officiellement enseigné, c'est que les enfants veulent en quelque sorte faire une sorte d'amalgame entre le référentiel scientifique et le référentiel religieux. Ils ont du mal à considérer qu'ils peuvent se dégager, lorsqu'il s'agit de science, d'une théorie scientifique, se dégager du référent religieux. Et ça, c'est une difficulté réelle. En question. Il y a des questions que sont les chats. Dans les chats. Monsieur Jordi Serratosa a écrit merci beaucoup, professeur Scharfi, pour votre exposition et on partage votre vision. Les solutions, formation, lire, les écoles et quoi d'autre? Quoi d'autre? Vous savez, moi je plaide pour ce qu'on appelle la sécularisation. Il faut qu'il y ait une séparation entre le politique et le religieux, la science et le religieux. Parce que l'école ne peut fonctionner de manière correcte. La science ne peut s'enseigner à l'école si on n'a pas clairement cette séparation. Malheureusement, c'est encore aujourd'hui, c'est encore difficile d'arriver, malgré les avancées, malgré la scolarisation depuis l'indépendance, etc. Nous sommes dans une période de fermeture. Et ça, il faut le dire. Et lorsqu'on plaide pour la séparation, on est souvent attaqué parce que les gens pensent qu'on ne veut plus respecter les religions. Mais la question, il ne s'agit pas de la foi du croyant. Plaider la séparation de la science et de l'islam, ça n'est pas touché aux sentiments religieux. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de scientifiques qui ont leur foi personnelle. Mais là, c'est un chemin personnel. Donc là, moi, je veux bien aussi, si vous avez des propositions, moi, je suis prête à les retenir. Parfait, parfait. En seconde question, Monsieur Severino, quelle est la présence des femmes dans les sciences à la Tunisie et au Maghreb? La présence de la femme. Des femmes. Alors, la présence des femmes, elle est très importante en sciences, chez nous. Beaucoup plus qu'en Europe. Vous savez que dans les écoles d'ingénieurs les plus recherchées, il y a 40% de filles.
ce qui est presque... Alors, bien sûr, je ne vais pas parler du domaine de la santé où il y a plus de femmes. Alors, ça ne veut pas dire, donc vous voyez, là je cite un fait précis, mais néanmoins, à l'université, comme on peut le constater en Europe, lorsqu'on avance en grade, évidemment, la présence féminine diminue, c'est-à-dire qu'il y a moins de professeurs. Le plafond de verre est là. Voilà. Mais quand même, beaucoup de parents encouragent leur fille à faire des sciences. Et vous voyez, moi, mon père m'a encouragée à faire de la science. Mon père était pharmacien biologiste et il m'a dit, non, tu ne feras pas la pharmacie ou la médecine. Non, je veux que tu fasses de la science fondamentale. C'est ça l'avenir. Vous voyez, donc, il y a quand même aussi cette envie que pour les filles de carrière qui vont porter le pays vers l'avant. Ça existe aussi quand même. Merci pour les discours que vous avez fait. La présentation, c'était génial. Ça m'a beaucoup plu de voir l'histoire l'histoire de les contributions des savants islamiques à la science. Ouais. Il manquait énormément de noms quand même, mais ouais. C'est génial. Par rapport à l'avenir, ou même au présent que vous disiez, par contre, je serais beaucoup plus optimiste parce que je trouve que la science, elle avance partout. Elle avance même contre la religion ou à côté de la religion. Et ça, c'est vachement... Pour moi, ça, c'est très important. Toujours, pour moi, la religion à l'Europe... Dans l'islam, n'importe où, c'est un corset qu'on a sur la tête. Mais la science avançait. On est à la Lune, on était à Mars, malgré eux. Et ça, c'est ce qui donne de l'espoir aux gens. Alors, pour moi, c'est que c'est plus important, à mon avis, plus que chercher de conflits avec l'histoire, avec l'évolution ou pas, avec des théories de l'évolution ou pas. En fait, c'est une théorie qui marche bien. Mais c'est une théorie qui marche bien. Peut-être on aura une autre demain. On ne sait pas, la théorie, c'est ça. Une théorie, on a des expériences qui marchent bien, on l'apprend. Et on l'apprend parce que ça marche bien. Oui. Mais on va prendre cette théorie comme une nouvelle religion. Non, c'est une théorie qui marche bien. Alors, une théorie, une autre, je m'en fous de ça. Est-ce que ça nous permet d'avancer ou pas? Alors, ces points, c'est vachement important. Et à mon avis, la science, c'est éduquer les gens... avec une façon à raisonner scientifique. C'est ça le point. Ça nous permet d'avancer à tout sans nous poser une nouvelle religion à la tête, théorie de l'évolution ou pas. Franchement, je m'en fous. Si ça me permet de prévoir les demain, ça marche. Oui. Sinon, j'en prends un autre. Alors, je serai beaucoup plus optimiste par rapport au futur. Je ne ferai pas de guerre pour accepter ou pas l'évolution. Par contre, je ferai des guerres pour que les gens apprennent le discours scientifique, la méthode scientifique. Et ça, je trouve ça très important. Je suis tout à fait d'accord. Merci de me communiquer votre optimisme. Bon, là, je ne l'ai pas mis parce que je ne voulais pas être trop longue. Mais j'ai une amie qui est biologiste et qui a fait une très belle expérience. Et ça, il faudrait qu'il y en ait beaucoup comme elle. Auprès des élèves sur la question de la théorie de l'évolution. Et parce qu'au début, justement, ils étaient gênés. Alors que faire par rapport à ce qu'on nous raconte dans la rue, à la maison? C'est contradictoire par rapport à ce qu'on apprend au lycée. Et alors, elle a vraiment travaillé avec eux. Et ensuite, elle les a interrogés. Et vous voyez, ils ont répondu. Ça, vraiment, il y a une phrase que je voudrais vous donner parce que c'est vraiment magnifique. Voilà. Alors, donc elle a fait toute cette histoire, elle leur a raconté l'histoire des sciences, elle leur a raconté l'histoire des sciences, comme je viens de montrer, le Jihad, etc. Et puis, la continuation aussi en Europe. Et alors, après, elle les a interrogés. Et alors,
ce que dit l'une des élèves après donc ce passage, grâce à, elle dit, Sausen donc dit, si on se penche du côté de la référence religieuse, tout a été créé sous la forme où il existe là maintenant. Nous ne pouvons rien y ajouter. Et c'est des jeunes de 16-17 ans. Hein. Telles les choses ont été créées, telles nous les voyons et devons les accepter. Alors que, si nous suivons une démarche scientifique, nous allons chercher pourquoi les êtres sont ainsi. Ils ont évolué. Comment? Qu'est-ce qui prouve qu'ils ont évolué? Autrement dit, nous, élèves, allons nous comporter comme les gens du domaine scientifique. Ils cherchent, ils tentent de retrouver des solutions. Voyez. Bien, merci madame, ça a été très intéressant. J'ai une question, un commentaire peut-être, à propos de la religion en face à la science. On n'a aucun doute, par exemple, que aux États-Unis, la science est relevante, disons. Il y a plusieurs prix Nobel, c'est les universités ont... Et pourtant, il y a beaucoup de gens et beaucoup de populations qui sont créationnistes, terre-planistes, etc. Oui. Alors, je pense que ce n'est pas une question de l'islam ou la religion catholique ou n'importe quelle. C'est un peu la situation maintenant, au moment maintenant qu'on se trouve, où il y a l'apologie de la... l'initiative privée, ce que toi tu as droit de faire n'importe quoi, et tout ça, disons là, ce type de liberté un peu tendancieuse, disons. Oui. Mais voyez, bon, moi, je suis d'accord avec vous, parce que souvent, quand on me dit, mais oui, aux États-Unis, il y a des créationnistes, mais d'abord, c'est une question de proportion. Les États-Unis, c'est la première puissance scientifique. Alors que chez nous, vous voyez, on a été vraiment des pays scientifiques, ce qu'on appelle globalement des pays scientifiques, même s'il y avait des théologiens comme ça un peu... Mais, aujourd'hui, c'est terrible de se dire que, voilà, ce qui l'emporte, c'est quand même la fermeture. Ce qui l'emporte, c'est une vision presque totalitaire de la religion. Et là où je suis tout à fait d'accord avec vous, que ce n'est pas la religion musulmane qui est en cause. Ce qui est en cause, c'est... vraiment le contexte politique, c'est aussi vous voyez, cette peur, hein, ou ce sentiment que voilà, l'Occident dominateur, etc. Donc il y a cette réaction en fait qui est réelle, hein, donc c'est une sorte de réaction. Mais moi, j'aimerais bien que effectivement, des personnes, pas nécessairement scientifiques, mais qu'il y ait des gens qui puissent être crédibles. Par exemple, nous, on n'a pas d'église, on n'a pas de... Donc, c'est ça qui rend les choses difficiles, vous voyez. Chacun a son point de vue. Mais chez nous, ce n'est pas que chacun a son point de vue, c'est que Internet a, en quelque sorte... délivrer un certain discours qui aujourd'hui est accepté par beaucoup de gens. Et c'est ça la difficulté. C'est que c'est vrai que peut-être on voit ces théories du complot, on voit ces platistes, on voit tout ça se développer ailleurs, mais
dans des pays qui ont combattu quand même, qui ont résisté à ceux qui ne voulaient pas que la science avance. La science avance. Elle avance partout, je suis d'accord. Mais chez nous, nous sommes encore fragiles et effectivement, si on n'arrive pas à faire en sorte que le politique aussi puisse décider que, voilà, on préserve l'enseignement, on préserve l'école de toutes ces déviations possibles. Vous voyez, là, quand je vous dis la théorie de l'évolution, eh bien, elle était enseignée en 1990. Eh bien, 10 ans après, on dit non. Voilà. C'est un retour en arrière sous une pression politique. Donc, c'est pas le religieux, ça, je suis tout à fait d'accord. Et moi, je pense que moi, la difficulté, quand je parle moi, de ces questions-là, et que je suis inquiète, j'essaye d'expliquer que c'est pas parce qu'il s'agit de la religion musulmane. Moi, je me revendique de culture musulmane. Et vous le sentez, quand je parle de la science en pays d'islam, c'est quelque chose que je revendique. Mais Internet ne nous rend pas service aujourd'hui et le politique n'est pas pour l'ouverture, malheureusement, un peu partout. Merci, Madame Charles, qui a été une conférence excellente. Je me souviens, quand vous étiez en train de décrire cette évolution de la science aux pays musulmans et de la recherche, ça m'a fait penser à l'histoire d'Occident et la science. C'est un peu pareil, hein, le processus. Oui. Période de Pharaon, évidemment, peut-être, mais quelques petits détails. Évidemment, le Moyen-Âge, la science en Occident était dans les noirs, dans les purs noirs. Hein. Et ce n'est qu'avec la Renaissance, qu'on a commencé à essayer de séparer la science de la religion et de Dieu, oui. Parce que jusqu'à ce moment-là, la science était au service de Dieu pour démontrer ce que Dieu a fait, oui. Ou faisait, oui. Et son pouvoir. L'autre détail que je voulais vous signaler, c'est que je suis juriste et j'ai étudié la loi, la carrière de droit, à la faculté de droit de Barcelone. Pendant la période 1967-71. Alors, j'ai dû apprendre que les lois dérivent du droit divin, que ce droit divin insuffle ou illumine les droits naturels, d'où descend après la loi nationale. Mais que cette triade, cette trilogie, c'est la base de tout. On parle de 1970. Et je me souviens aussi, dans cette période de temps, et si tu ne le savais pas, à ce moment-là, tu ratais le cours. Hein. Ça, c'était la conséquence, mais bon. Ouais. Et aussi que l'Église catholique a dû faire un effort pour pouvoir faire cet équilibre entre les théories de l'évolution et la création par Dieu. Oui. Ce n'est qu'à partir de Teilhard de Chardin qui a dit, écoutez, on accepte toute la théorie de l'évolution jusqu'à le dernier point, c'est cette base que vous avez fait référence, je sais. Que bon, c'est Dieu qui est finalement au début. Hein. Aussi la même explication que, la même nom, mais très, très similaire à votre évolution. Donc je serai optimiste pourvu que le processus d'éducation de vos femmes, de les femmes de l'islam, de pays islamique ou de pays arabes, puisse se développer dans le bon sens. C'est ça. Oui, c'est pour ça que moi je pense que c'est. J'essaie d'expliquer, pour moi, revisiter l'histoire, c'est très important parce que on élimine l'approche essentialiste, c'est-à-dire le fait de dire, c'est
l'islam qui a été à l'origine de l'essor de la science, mais c'est aussi l'islam qui est à l'origine du déclin de la science. Donc, la religion en tant que, l'islam en tant que religion, c'est le contexte politique, historique, qui explique justement ces situations. C'est comme la confrontation de Galilée, c'était avec l'Église, mais Galilée n'était pas contre, était catholique. Voilà, c'est ça, il était chrétien. Donc, et c'est ça sur quoi il faut effectivement insister. C'est que le débat n'est pas, c'est comme pour le droit, effectivement, il faut séparer le droit du religieux. Mais tout ça, c'est un long travail, c'est un long cheminement à travers les siècles et à travers l'histoire et les différentes situations politiques. C'est ça le problème. Mais les pays d'islam aujourd'hui, nous ne sommes pas dans une configuration favorable. C'est un fait. On a espéré, nous, en 2011, mais c'est plus difficile qu'on ne l'imaginait. Comme continuation de cette réflexion, pensez-vous qu'il existe en Europe une grande méconnaissance de l'histoire et des apports de la science arabe au développement scientifique général? Oui, tout à fait. Tout à fait. Je pense qu'il y a une grande méconnaissance de l'histoire des sciences arabes, des sciences écrites en arabe. Et là, quand je parlais, par exemple, de lois de la réflexion, les lois de la réflexion, on dit les lois Snell-Descartes. Bon, on rajoute Snell maintenant à Descartes, mais on ne dit pas les lois d'Al-Hazen, alors que c'est lui qui a défini de manière tout à fait claire les lois de la réflexion. Donc, il y a vraiment à revisiter. Et même lorsqu'on parle, par exemple, de l'évolution, c'est très intéressant de voir. Je pense qu'on doit revenir à Aristote, mais on saute le djihad, alors que le djihad s'est nourri de ce livre des animaux d'Aristote, mais est allé plus loin. Donc là, il y a quand même, il faut vraiment, c'est une question importante, à mon avis, pour deux raisons. Pour la science, en tant que telle, parce que l'histoire des sciences ne doit pas être tronquée, et une deuxième raison, c'est aussi le retour à tous ceux qui sont de culture musulmane et qui vivent en Europe. Il faut aussi leur montrer que, au fond, il n'y a pas cette distance qu'on veut instaurer entre ce qu'a été le monde de l'islam et l'Europe. Non. Ça, pour moi, c'est extrêmement important. C'est pour notre avenir commun. C'est fondamental de revoir cette vision que l'on a, voilà, de nos pays. Oui, il faut reconnaître toute cette science qui a été Biruni. J'en parlais. Vous voyez, il y a très peu de gens qui connaissent Biruni. Mais Biruni, c'est extraordinaire comment il parle d'une religion différente, la religion hindoue, et il explique que oui, il n'y a pas à dire l'islam c'est mieux, l'époque, l'an 1000, vous voyez. Et il définit des constantes. Il essaye de définir des constantes pour analyser des religions différentes. Alors il dit, il relève par exemple, vous voyez, il dit ben, dans les différentes religions ont la notion de cette dualité corps-âme. Le paradis et l'enfer, la séparation état et société, etc. Et donc, vous voyez, cette manière scientifique, c'est extraordinaire. L'an 1000, il y a plus de 1000 ans. Donc ça, il faut le faire ressortir. C'est très important. Merci pour la question. Je voudrais faire une petite intervention à propos de l'intervention de Jordi Salat et vos réponses. C'est que, effectivement, en tous les temps, dans le monde, il a eu une espèce de besoin humain d'autorité. C'était quelqu'un qui te dit ce qu'il faut faire, et comment faire, et quelles sont les règles.
pendant très très longtemps les religions différentes, et c'est marrant que toute l'humanité dans tous les espaces physiques de la Terre, ils ont développé des religions. Il a eu des religions. Jusqu'à que la méthode scientifique est apparue, le doute, l'interrogation, etc. Je ne dirais pas que ça a créé une nouvelle religion, mais ça crée une autorité. Il a eu une autorité parce que c'est les lois scientifiques, que, comme a été dit, c'est d'explications provisoires parce qu'on n'a pas d'autres meilleures. Mais ça a géré quand même un système d'autorité. Donc, on a eu quand même une dialectique entre soit une autorité à partir des discours religieux partout dans le monde, soit une autorité à partir des méthodologies de s'interroger sur la nature. Et puis, il y a des cas que c'est curieux qu'aux États-Unis, où c'est les pays les plus avancés scientifiquement parce qu'ils ont mis les moyens, parce que c'est une société qui a avancé pour ça, mais en même temps, c'est une société très enraciné dans des valeurs religieuses, énormément, qu'il a, avec l'apparition d'Internet et tout ça, c'est curieux que c'est l'individualisme. Chacun peut définir son modèle et son autorité. Alors chacun, c'est le chef de soi-même. Donc si tu veux être terrapléniste, ou si tu veux être ami des martiens, tu peux le faire. Tu es le seigneur, tu es l'autorité. Donc c'est cette réflexion qui m'est venue à la tête avec ce qui te vient de dire. Oui, et justement, ça, c'est très important de le dire, l'autorité de la science. Mais l'autorité de la science, c'est la communauté scientifique qui donne cette autorité. Ce n'est pas un individu, c'est ça la question. Exactement. Voilà. Bon, encore des questions ? Ici, au Internet, il y a... Ah bon, Hortensio, oui. Bonjour, merci, bonjour. Madame. Je ne connais pas exactement la situation politique de la Tunisie, mais je peux dire qu'au Maghreb, par exemple, au Maroc, en Algérie, il y a un mouvement féministe à se développer, non? Et qui concilie avec le Coran et l'Islam. Eh bien, moi, je ne suis pas plus contre l'islam que contre la religion catholique, je suis agnostique. Mais en tout cas, bon, je voudrais savoir qu'est-ce que vous en pensez, parce que bon, c'est une femme, il met beaucoup en question les religions. Non, c'est-à-dire que de France, le Coran et l'islam face aux religions étrangères, non? Je ne sais pas. Si vous avez compris la question. Oui, parce que si. Oui. Le mouvement féministe, je pense qu'il y a un important mouvement féministe dans le nord d'Afrique. Oui. Je ne connais pas la Tunisie, non? Je voudrais savoir qu'est-ce que qui remet avec l'islam, oui, oui. Exactement la relation avec l'islam. D'accord, vous voulez parler des féministes islamistes islamiques. Oui, non, non, oui, c'est ça. Alors d'abord, c'est intéressant de voir que le féminisme est la défense, en fait, de l'émancipation des femmes. Ça a commencé fin du 19e, début du 20e siècle. Et les mouvements ensuite, bon, les femmes, c'est début du 20e que les premières féministes se sont déclarées. Et en Tunisie, alors, il y a deux femmes qui ont déclaré leur volonté d'être égales des hommes. C'était autour de 1925. Et qu'est-ce qu'elles ont demandé? Elles ont demandé, à l'époque, dit non au voile. Elles ont refusé le voile, et l'une d'elles, donc les deux, ont fait leur conférence en disant, oui, oui. Moi, j'enlève le voile parce que c'est ainsi que je peux exprimer l'égalité entre les hommes et les femmes.
Donc ça a été très important. Et en même temps, il y a eu un théologien tunisien, Tarhadet, qui a commenté, lui c'est un théologien, et lui a donné du crédit à ce mouvement, en quelque sorte féministe, en disant que, de toute façon, on pouvait interpréter, si on interprète le texte coranique, le texte coranique est pour l'égalité entre les hommes et les femmes. Et le texte coranique, le fameux verset sur le voile, ne demande pas aux femmes de se voiler. Donc vous voyez que ça a commencé un peu de cette manière-là, mais c'est aussi plutôt théorisé. Ça a mis un peu plus de temps. Alors, moi, je cite souvent une thèse extrêmement intéressante quand on veut comprendre justement la réclusion des femmes, parce qu'il n'y a pas que... Bon, le voile, c'est une des manifestations, mais il y a un travail extrêmement intéressant qui est très peu connu, que vous pouvez lire, qui est accessible. C'est la thèse de Mansour Fahmi, 1913. Donc c'est le premier sociologue égyptien qui a écrit sa thèse sur l'émancipation de la femme musulmane. Et il a fait une étude sociologique, c'est-à-dire qu'il a démontré comment, petit à petit, les femmes ont été recluses et comment elles ont été exclues, en quelque sorte, de la vie publique. Évidemment, c'était une version, et donc il a expliqué, enfin sa thèse est très courageuse, et il a dit ce sont les sociétés, et puis il y a aussi le comportement du prophète par rapport aux femmes. Il analyse le fait que comment le prophète s'est comporté avec ses femmes. C'est très très courageux, hein, si aujourd'hui quelqu'un dit ça. Vous voyez, c'est pas sûr qu'il ne va pas être traité. Alors, c'est un Égyptien donc, qui a soutenu ça. Il a travaillé sa thèse à Paris. Sa thèse a été soutenue donc, en 1913. Il est rentré au Caire. Évidemment, on n'a pas du tout aimé son travail. Il n'a pas pu enseigner à l'université. Bon, son parcours a été difficile. Mais la thèse a été rééditée en 1990. Je peux vous donner la référence si vous voulez. Enfin, je la donne dans mon livre « L'islam et la science ». Elle a été rééditée en 1990 pour montrer, vous voyez, comment cette analyse de la situation des femmes en islam qui démontre que l'origine de l'exclusion des femmes, c'est les raisons sont sociales. Vous voyez. Donc, c'est comment l'évolution des sociétés, qu'est-ce qui fait que petit à petit, on a exclu les femmes de la vie sociale. Et c'est très intéressant. Alors, aujourd'hui, il y a des mouvements féministes très forts partout. Mm-hmm. Nous en avons en Tunisie. Il y a des relations entre les mouvements féministes tunisiens et marocains. Il y a des associations chez nous, l'association tunisienne des femmes démocrates qui est vraiment, depuis 1990, qui défend l'égalité entre les hommes et les femmes, et de manière très énergique. Mmh. Et il y a eu des avancées. Chez nous, même après Bourguiba, il y a eu des avancées. Mais je pense que la situation de la Tunisie n'a rien à voir avec celle des autres pays du sud de la Méditerranée. Parce que le code du statut personnel... C'est pas la loi islamique. N'a pas comme fondement, le code du statut personnel n'a pas comme fondement la charia. Donc ça, c'est fondamental. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je pense que ça a été une conférence très intéressante et un débat aussi intéressant. C'était très bien, ça, c'est... comme notre tertulia que nous faisons des rencontres pour parler de ces choses-là. Merci beaucoup, Faustia. Ça a été un plaisir de t'avoir parmi nous. Et j'espère qu'on va répéter ta visite à Barcelone, parce que c'est très stimulant, cette discussion, et puis très actuelle. Je pense que c'est important qu'en Europe, on ouvre un débat, on ouvre les yeux sur la réalité et sur les courants de fond qu'on trouve dans notre voisin ici, à côté.
d'un demi-heure de bol, moins que ça. Bon, merci à tous et à la prochaine. Au revoir.